Grosso modo, quasi modo, je disais, bon, le frère, l'ingénieur, Bokité, hein, de fantastique. Petite maison, mais grande maison. Vous pouvez être dans une grande bâtisse, mais sans valeur. Il est dans le stricto sens, pas l'acto sens, stricto sens. Alors, le mot, vous pouvez déjà les avoir, parce que ça fait part, ça fait mention du vocabulaire. En attendant les chaînes de télévision, parce que c'est une chaîne de télévision que nous sommes en train déjà de relucider. Des politiques de plusieurs. La congolinité rationalisation axialiste comparée dans le corollaire absolu néanmoins notamment, c'est le mot le plus long hein, depuis que Dieu a créé la terre, je continue. Le sens même de Bundela Slandel Zanken Verzingen, ça c'est le commerce extérieur parce que nous sommes obligés de vendre même du riz à l'extérieur, malgré tout nous sommes en train d'importer, nous sommes obligés d'emboîter. Les ananas, mettre dans le, hein, en forme de jus. Nous sommes en train de chercher le voisin moyen, comment relancer l'OCC. Qualité dans ce qu'on appelle les isoméries. Le vocabulaire est demi-tête, grosso modo. Grosso modo, quasimodo, je peux parler de la grandiloquette sens, soliloqué. Hein, le gens qui parle seul. Soliloqué, c'est quoi? Soliloqué, pour le gens qui parle seul, vous trouvez quelqu'un dans la monotonie en train de traverser des squares ou bien des giratoires, là où il y a le gens, des grandes routes, des chemins, des croisées de chemins. C'est comme je peux parler des bi-quarto. Bi, c'est 2, quarto, c'est 4, 2 fois 4, ça forme un octet. Octogénaire, 8 fois 10, 80 ans. Mais quand vous avez les septenants, 7 fois 10, quand vous avez les sixénats, 6. Alors, vous devez connaître, quand je vais d'une manière ou d'une autre rétracter, répondre aux exigences de la quiescence, je peux lancer, le pittoresque. Le mot frappant des demi-tièges. Oui, il y en a plusieurs. J'ai prévu même un dictionnaire qu'on appelle le Concordia, la concordance des temps. Hein, vous ne pouvez pas parler, par exemple, hein, par l'otacillé, mal parlé, péroré, hein, ce qu'on appelle l'epsitacisme, parler, hein, les gens qui font la psychologie dynamicielle, dont les ISP, ou bien l'UPEN, ou bien l'université de Kisangani, que je salue en passant, de fantastique. Petite maison, mais grande maison. Vous pouvez être dans une grande bâtisse, mais sans valeur.